Bonjour à tous! On attaque bientôt la saison 4 de Fly for Fluence, et aussi Canal Cube. C'est dingue cette aventure. Mais je suis persuadé que beaucoup d'entre vous souhaiteraient savoir comment ça a commencé. Beaucoup se posent la question sur mes origines, mais moi-même j'ai eu que peu d'informations. De ce que je me rappelle, je suis né dans l'Ender, sauf que mon apparence et ma taille étaient très différentes d'un Enderman. D'ailleurs, ils m'ont jamais pris pour l'un des leurs, et mon apparition soudaine avait rendu l'Ender Dragon foudrage. Et c'est à ce moment-là que je fus sauvé par le Minecraftien qui allait devenir un allié de taille dans cette histoire, Billy. Grâce à lui, je pus m'échapper et j'ai découvert l'Overworld. Un monde incroyable s'ouvrait à moi. Mais il demeurait une question essentielle. C'était quoi mes origines? C'est qui m'avait créé? Et dans quel but? Ainsi, je me lançais dans le journalisme, chose qui me permettrait peut-être de découvrir mes origines. Il me fallait recruter plus de personnes pour mener à bien mon entreprise. En entendant ça, Billy m'avait immédiatement rejoint. Après avoir mélangé deux agents instables qui détruisit immédiatement son laboratoire, l'Usior était des nôtres. Ayant été viré de tous les établissements pour violence envers ses collègues à l'aide d'un balai, Rogue choisit de se rendre pacifiquement. Et c'est ainsi que commençait l'entreprise Canal Cube. Après cela, je lançais donc la première émission à succès, Fly for Fluence, où je partais découvrir de nouvelles dimensions équipées d'armes à feu à la recherche de mes origines. Au final, il n'y a pas eu de grand changement sur mes recherches, mais l'émission en revanche fut un succès. Pour la saison 2, j'avais besoin de plus de personnel. J'ai donc contacté Vexios, un ami de longue date. Pourquoi pas l'avoir appelé avant ? Il faut savoir que le lapin cuit génère des phéromones spéciales qui entraînent une réaction tout à fait particulière sur les synapses de Vexios. Dès qu'il est en contact, de près ou de loin, en tout cas avec des lapins cuits, Vexios s'y rend dans un état d'hystérie de rage frénétique. Bon, c'est pour cette raison un petit peu qu'il a été placé dans un établissement spécialisé. Il a dû suivre plusieurs traitements expérimentaux. Bon, en gros, il était bizarre. Et maintenant, Le mot lapin est un terme très général qui désigne en français certains animaux lagomorphes à longues oreilles que l'on... Lapin ! Lapin cuit ! Il l'est toujours. Ainsi, Vexios donc s'occuperait de Canal Cube en mon absence. Et donc je partais pour cette deuxième saison. J'avais entendu parler d'une dimension de l'Ender, un peu différente, hein. Et bien plus hostile aussi. Cela avait peut-être une relation avec mes origines, mais bon, j'en étais pas sûr. Malheureusement, elle était difficile d'accès. Et c'est alors que je rencontrais Azunching, un Minecraftien au langage bien particulier. Grâce à son aide, on a réussi à retrouver la dimension de l'Ender. I'm sorry, I don't speak Japanese. T'es con ou quoi? Je suis chinois. Alors, t'as besoin d'aide? J'ai besoin. Écoute, il y a une dimension là, juste là. Allez, on y va. Bon, par contre, on a juste failli le perdre lors d'un crash d'avion. Blessé à la jambe, j'ai pas pu continuer mes recherches. Puis j'ai dû retourner à la base pour le raccompagner. Entre deux, l'audience de Canal Cube commençait à chuter. L'entreprise était en grande difficulté. Alors, je commençais ma troisième saison, puis du coup j'ai dû laisser Az nous lier sur son lit d'hôpital, quoi. Puis cette fois-ci, j'ai pris l'hélico. Darkhaven à la tour de contrôle. La visibilité est optimale, RAS, tout va très très bien, je crois qu'on est paré pour atterrir, oh yeah! Merde, qu'est-ce qui se passe? Tour de contrôle au rapport, j'ai un problème, dysfonctionnement de tout le véhicule, on va se scratcher, Mayday! Thank you.
de peur que de mal, par contre tout était dans l'hélicoptère. J'ai plus de matos. Coucou les cochons. Bon, hop là. Alors, où est-ce que je suis? Bon, pour l'hélicoptère, de toute façon, on repassera. J'ai absolument pas de stuff de toute manière pour le remettre en selle. Hein. On ira récupérer tout ce qu'il faut. Parce que là, c'est pas la peine. Oh, un indigène. Mais dis-moi, vous avez l'air très... complètement inhospitalier? Barrons-nous! Ça n'a l'air pas très sûr par ici. On va se planquer ici. Et demain, j'aviserai de ce que je dois faire. Monseigneur! Monseigneur! J'ai une nouvelle importante. Seigneur, êtes-vous là? J'ai besoin de vous parler. Seigneur! Ah! Oui, c'est moi! Qu'y a-t-il? J'espère que vous avez une bonne raison pour venir me déranger. Navré d'avoir à vous interrompre, votre grandeur. Mais un Minecraftien s'est écrasé sur les landes de Nevermind. Nous ignorons tout de ses intentions. Mais les trois factions voisines sont déjà en alerte. Un Minecraftien, vous dites? Mais de quel type? C'est un YouTuber, Monseigneur. YouTuber? Eh merde, ils vont encore nous emmerder pendant 20 épisodes d'un long let's play emmerdant. Bon, faut vite que j'aille prévenir les autres. Allez, hors de ma vue maintenant! Merci de votre écoute, oh seigneur, je m'en vais de ce pas. Ah, quand je pense que je vais pas pouvoir jouer à Agario pendant au moins quelques mois. Chier! Tapez! Ah, tapez! Tabatatada! Tabatatapez! Ah, tapez! Ah, y'a de tapez! Ah! Tapez. Ah, on a trouvé... Oh putain. T'as vu ça? De l'IA? Non mais, le mec, il est à sa troisième saison, une fois sur deux l'uranium ça pète, et il y va tranquillement, il se fait sauter la gueule, mais faut vraiment être trop con, putain. Oh putain, j'en peux plus. Oh, j'en peux plus. Oh, mais c'est quoi ce problème? On a oublié de payer la facture internet? Oh oh. Enfin, je suis entier. Ah merde, c'était pas dans le bon script, ça. Oh merde. Oh, mais c'est le seigneur Brian. Que faites-vous par ici, seigneur? Nous ne vous attendions pas. Mais je ne vois là que Bam et Silver. Où sont les autres? Les autres sont partis assister à la compétition de Bilboquet organisée par Mister Lab, monseigneur. Espèce d'imbécile. Vous sous-estimez fortement ce Minecraftien. Mais il a déjà pris connaissance de l'ancien portail. C'est une question de temps avant qu'il nous retrouve. Cela fait un moment que nous l'observons, monseigneur. Nos troupes d'ailleurs ont été redoutablement efficaces. La mort n'est pas efficace contre cet ennemi. Ce que nous devons faire est plus compliqué. Nous devons... le faire Rashkit. Oh. Tapez. Tapez. Un peu ici, voilà, j'en ai un là, ok, y'en a partout. Bon alors sur le wiki, il disait qu'il fallait tous les aligner. Ouais, ça a l'air de marcher. Allez, c'est parti. Hop! Oh oh. Hein?
Seigneur Brian, voilà fort longtemps que mes parents du visite. Que me vaut ce plaisir? En tant que Web Guardian, j'ai une nouvelle fois besoin de vous. Le Minecraftien de race YouTuber s'est infiltré chez nous. Il a réussi à passer nos défenses et créer l'ancien téléporteur ainsi que le Nether. J'ai besoin de vous pour restaurer le game mode originel. Nos troupes manquent d'exercice, ce sera une bonne occasion. Attendez, quoi? Un YouTuber? Mais de combien dispose-t-il d'abonnés? 236 000. Oh mon dieu! La série va durer longtemps alors. On peut pas permettre ça. Par contre quoi? Malgré notre adversaire commun, je ne travaille pas gratuitement. Je vous demanderai donc une compensation. L'accès à la bêta de Black Ops 3. Wouhou! Vendu! Et c'est parti! Ces voyages interdimensionnels deviennent de plus en plus épuisants. Seigneur Brian, brigade des spawns au rapport. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis depuis quand on est une brigade des spawns? Oui monsieur, cela fait exactement 4 ans maintenant que je travaille à vos côtés. Ah bon? Bon bah très bien. Donc quelles sont les nouvelles? Dramatique monsieur, l'armée de l'Overworld cesse de diminuer. Il résiste de mieux en mieux, on a du mal à le stopper. Je suis au courant, mais qu'elle vienne! Nos troupes sont fin prêtes à le recevoir. Je l'attends personnellement, dans mon royaume, au Nether. Mais l'Overworld ne tient plus, monsieur. On va être en insuffisance de mobs d'ici très peu de temps. Dis donc, si on a réussi à survivre à un mode pack, on va bien pouvoir survivre face à un YouTuber. Alors faites votre boulot et ne faites pas chier. Tels sont vos ordres, seigneur. Je ferai de mon mieux. Fin de transmission. Hé, hey, vous, là-bas! Pouvez me dire ce que vous foutez ici? Tapez? Et t'as rien trouvé de mieux que de te foutre de moi, en fait, là. Ah, tapez! Ah, tapez, ah, tapez, tapez, tapez! Mais vous êtes... Oh! Ah, tapez! Non! Si! Non! Ah ah! Eh, tapez! Ah non, pas tapez! C'est parti pour taper! Ah, tapez, tapez, ah, tapez, 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 tapez! Petit salto, allez, on essaie de la mettre cette fois dans les cages, allez! Putain! Encore raté! Seigneur! 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 Il arrive! Il arrive! Il arrive! Ah, mais oui, je sais! J'ai une partie de Rocket League, je peux pas tout faire! Mais votre grandeur, avez-vous préparé quelque chose pour le recevoir? Mais bien sûr! J'avais tout prévu, pas d'inquiétude! Allez! Viens par ici, je vais te montrer la vraie puissance. Et voici l'armée du Nether. Produit de l'accouplement d'un squelette, d'un Wither Skeleton et d'une sorcière, leur jeu a permis le développement de nouveaux pouvoirs. Il s'agit du Wither Withered. Pour se protéger de la chaleur du laser, certains squelettes décidèrent de prendre de la peau de vache et de l'utiliser comme armure. Ce sont les Skelcow. Les anciens prisonniers de la forteresse du Nether, sur le point de mourir, décidèrent de se transformer en utilisant des barreaux de leurs cellules en fusion comme carapace. Ils animent également les soirées barbecue, ce sont les Blaze. La résultante d'une soirée alcoolisée entre un Wither et un alien un peu en manque, attention à leur flatulence, se propage tel un napalm virulent et extrêmement dangereux pour tout Minecraftien, ce sont les Flamewalkers! Connus que pour être très vifs, les Unbreak ont un corps caractéristique composé de longues jambes, de tétons très bas et d'un gourdin. Tapez! À taper! Oh, Smash! Premièrement, t'as rien à faire ici. Et deuxièmement, arrête de taper sur tous ces braves soldats que tu rencontres! Tapez! 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 Oh, si je t'avais pas fait une promesse à ta mère, je t'aurais déjà... Seigneur Brian a raison, vous ne devriez pas vous comporter de telle manière. Tapez, non. Tapez. Tapez. Tapez.
Et qu'est-ce que vous regardez comme ça? Laissez-moi, laissez-moi tranquille. Ah, tapé, 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 tapé. Oui, tapé. Tapé, 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 tapé. Quelle bande d'abrutis. Oh, écoutez mon appel, Arbé du Nether. Le Minecraftien est à nos portes. Il s'apprête à franchir le portail. Je souhaite que vous lui fassiez un accueil digne de ce nom. Alors en avant, Armée du Nether, soyez avec moi. Tout s'est parfaitement déroulé. Le Rage Kit ne devrait plus tarder maintenant. Continuez de l'attaquer sans relâche. Il ne connaît pas encore toutes les capacités de nos troupes. À ce propos, Seigneur, j'ai fait appel à vous car on le surveille depuis quelque temps maintenant. Nous avons d'ailleurs récemment capté un enregistrement d'une conversation audio de notre cible. Écoutez ça. Allô? Ouais, oui, c'est moi. Désolé d'appeler aussi tard, j'ai craché mon hélico. Il m'a fallu quelques jours pour récupérer les matériaux nécessaires. Maintenant, bon, c'est bon, j'ai une radio maintenant, ça fonctionne. Nous étions très inquiets de votre disparition, monsieur le directeur. On annule l'opération et je vous prépare un hélicoptère qui viendra vous chercher dès maintenant. Non, surtout pas! J'ai découvert plein de choses super intéressantes, je peux pas me permettre de stopper tout maintenant. Non. Pour l'instant, c'est hors de question. Que fait-on alors? Tu fais comme d'habitude, t'inquiète personne, tu continues de gérer l'équipe en mon absence et je te recontacte très bientôt dès que j'ai fait des avancées sur mes recherches. Allez, fin de transmission. Alors comme ça, il n'est pas seul. Ha! Bien joué! C'est une découverte qui peut être fort intéressante pour nous. Déterminez leur position exacte et préparez-vous! Nous aurons prochainement quelques hôtes. Allô, ici Brian. Que se passe-t-il? Oh Seigneur, nous l'avons trouvé. Génial! Overwatch! Je l'attendais depuis si longtemps. Il doit partir désormais. Non, Monseigneur. On vous parle des complices du Minecraftien. C'est bien aussi, hein. Bon, est-ce qu'on peut avoir un visuel dessus? Oui, Seigneur, immédiatement. Je règle ça, retransmission imminente dans quelques minutes. Allez, viens là! Non, arrête. Si! Tiens! Prends-toi ça! Ah! Oh! Oh, mais! Possible ça! Mais arrête tes conneries! Mais viens arrêter! Oh! Putain! Pas possible ça! Voici donc leur base! Il faut intervenir au plus vite! Smash! Smash! Ah, c'est pas possible! On sent, il est jamais là quand on a besoin de lui! Tapé.
Oh! Oh, tapé! Wouhou! Tapé! Oh, tapé! Youhou! Tapé! Tapé! Hop là! Tapé, tapé! Là, tapé, tapé! Tapé, tapé, monnaie! Oh! Wouhou! Tapé! Yeah! Yeehee! Tapé content! Hop là! Haha! Oh! Avez-vous placé le prisonnier en salle d'interrogatoire? Oui, seigneur. Nous attendons vos instructions. Parfait. Amenez-moi jusqu'à lui. On dirait un Steve. Vous êtes sûr que c'est un youtubeur? Absolument, seigneur. On a testé de lui soutirer quelques informations, mais il refuse catégoriquement de parler. Essayons de rester courtois. Premièrement, bonjour, je m'appelle Brian. Je suis un décerneur qui règne sur les landes de Nevermind. Bien entendu, je ne suis pas le seul à diriger. Chacun vit selon ses coutumes et sa propre volonté. Depuis un petit moment maintenant, nous vous observons. Et nous avons perçu comme une menace. Mais j'en oublie encore les bonnes manières. Comment vous nommez-vous? Ouais, Watanalir. Mais ils ne parlent pas notre langue. Pourtant, j'arrive bien à regarder leurs vidéos. C'est sûrement un codage utilisé par YouTube, seigneur. Débouti. Silence, il suffit, j'en ai assez. Je vais chercher moi-même sur Google Traduction. Vous n'y pensez pas, seigneur? Eh bien si, on n'a pas le choix. Avez-vous trouvé quelque chose, seigneur? Franquez-moi, vous m'avez dit là. Alors bon, eh ben apparemment là, il dit... Il dit qu'il est content. Wow! Tapé! Oh, ils me fatiguent tous. J'en veux plus. Je rentrerai jouer aux jeux vidéo, prendre un bon bain de lave, et puis me gratter le... enfin bref. Oui. Et c'est arrivé quand? Ah, ça... C'est depuis l'arrivée du Minecraftien. J'aurais mis ciel et terre pour tenter de l'arrêter. Mais rien à faire, il est toujours là. Je vois. Dites-moi un peu ce que vous ressentez actuellement. Eh bien, ma mère n'a jamais été très présente pour moi. C'était sa sale manie de... Eh bien, attendez! Depuis quand je peux vous comprendre? Depuis que j'ai décidé de le faire. Ah oui, je me suis libéré aussi. Smash! Arrête-le immédiatement! Hey, tapé! 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 Oh, tapé! Tapé! Tapez! Oh! 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 Tapez! Oh! Oh! Tapez! Oh! Oh! Tapez! Oh! Ha ha! Ah! Tapez! Oui, tapez! Oui, tapez! Tapez? Non? Essaye, il suffit! On n'a rien pu en tirer, mais on peut le suivre, et l'on tombera directement sur ce fameux Minecraftien. Bah, tapez, hein! Bah, tapez! Allô, allô, biche naine à buisson touffu, est-ce que vous me recevez, biche naine à buisson touffu? Ici, buisson touffu, je vous reçois 5 sur 5. Dites-moi, ces pseudos, c'est quand même un peu bizarre, non? Je ne fais qu'appliquer les ordres, seigneur. Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui l'ai fait, bon... Vous l'avez toujours en visuel? Oui, mais pas le moindre Minecraftien en vue. Je pense qu'il doit repartir sur sa base.
Restez concentrés dessus. Ne le lâchez pas d'une semelle. Entendu. Mais où est-il passé ? Bonjour ou bonsoir à vous. Qui êtes-vous ? Et que me voulez-vous ? Quoi ? Vous ne me connaissez pas ? Vous n'avez jamais donc vu une de mes célèbres vidéos sur YouTube ? Non, je ne vous connais pas. Bouge ton cube ? Non. Le cube de l'été ? Non plus. Le Fantabob Show ? Ah ! Avec Vexios ? Ah non. Vexios fait du ski. Non, non. Le retour de Vexios. Non. Les formidables aventures de Vexios et la marmotte masquée chevauchant un magnifique île à Mastico. Non. Écoutez, vous êtes bien sympa, mais je suis en mission, là. Si vous ne dégagez pas immédiatement, je vous élimine. Alors, attendez. Quoi donc encore ? Acceptez mon modeste présent. Non, ne me dites pas que... Oui. Son arme secrète. Vite, je le rebattre en retraite. C'est le lapin cuit. Le lapin cuit, moi. Du lapin cuit, du lapin cuit, du lapin cuit. Ça fait bien longtemps que je n'étais pas passé ici. La déco laisse un peu à désirer. Bon, où sont-ils ? Ah, mes chers serviteurs, je suis content de vous. Votre victoire démontre encore la supériorité de Nevermind sur ces maudits Minecraftiens. Je compte sur vous dans le futur pour réitérer cet exploit. Notre armée compte de valeureux clowns issus des meilleures boutiques de farce et attrape. Comment pourrait-il y arriver? Cette imprudence est jeter la tête la première dans le piège. Impossible qu'il puisse nous battre, cet imbécile. Oui, bien sûr. Mais je vous mets en garde. D'autres avant vous ont rigolé de cette piètre prestation. Mais il reviendra à vous voir. Il sera plus fort et plus malin. Vos pièges seront démantelés, votre armée décimée. Alors faites en sorte que cela n'arrive pas. Je compte sur vous. Bien entendu, monseigneur. Nous serons prêts. Tapez, 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 tapez. Wouhou. Hey, tapez. Oh, oh. Oh, tapez. Oh oh! Non, tapez! Tapez, tapez! 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 Oh, tapez! Oh! Tapez! Tapez, tapez! Tapez! Oh! Tapez! Tapez! Oh! Tapez! 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 Tapez, tapez! Pas taper! Pas taper! Ah, taper! Taper? Non, taper! Oh, oh, oh! Taper! Oh! Taper? Oh, pas taper! Taper! Ah! Madame, taper! Ah, taper! Un taper? 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 Oh, taper? Oh, 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 taper! Oh, 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 taper, 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 taper! Tapez, 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 on tapez, oh, tapez, 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 tapez.
Tapez, 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 tapez. Oh, tapez. Seigneur! Que se passe-t-il, dame? Merci d'avoir pris le temps de venir. Je suis sûre que vous ne le regretterez pas. Suivez-moi. Vous rappelez-vous cette demande que vous aviez faite? J'ai bien peur que ma mémoire me joue des tours. De quoi s'agissait-il? Voici, Seigneur, votre nouvelle salle munie d'un écran 4K en 3D avec également la clim, le porte-gobelet géant, le mini-bar, la mini-table de ping-pong, le compartiment à pop-corn, également un distributeur des préservatifs et enfin... Oui, ça va, j'ai compris. Mais c'est génial! Qui dois-je remercier pour cette belle œuvre? Ah, des serviteurs de votre demeure. Amenez-le-moi, je dois le remercier comme il se doit. Prêt à satisfaire tous vos désirs, Seigneur. Ha ha ha! Oui, mais cette fois, c'est moi qui souhaite te satisfaire. Le travail que tu as effectué est des plus remarquables. Que dirais-tu que je te couvre d'or? Vous êtes trop bon, Seigneur. J'accepte avec joie. Et c'est mérité. Reste juste ici. Smash! Tapez! Active la récompense. Je veux qu'il soit immergé de la tête aux pieds. Ah ah! Tapez! Tapez? Espach, qu'as-tu fait? Tapez, oups. Comment osez-vous déroger la quiétude de ces lieux? Alors oui, désolé, je vous dérange, hein, j'ai quelques questions à vous poser. Bon, d'abord, j'aimerais bien savoir qui c'est qui est derrière tout ça. Parce que bon, c'est pas que ça fait 4 mois que je me fais exploser le cul avec des mobs de partout, mais j'aimerais bien savoir qui c'est qui dirige un peu, hein. Ensuite, j'imagine que vous connaissez pas l'Ender, hein. De toute façon, vous en avez rien à foutre, je cherche mes origines, mais bon, vous en foutez aussi. Par contre, il y a un dernier truc, c'est que vous avez des artefacts qui m'intéressent fortement. Donc si vous pouvez me les passer gratuitement sans faire d'histoire, ce serait parfait. Misérable petit être cubique, je t'exterminerai en rien de temps. Ok, ok, challenge accepted. Smash! Smash, montre-toi! Coralus est mort, ils ont eu notre frère. Et à mon avis, ce sera bientôt ton tour. Il a récupéré ta pierre d'invocation. Où es-tu, Smash? Montre-toi vite! C'est urgent, nous avons besoin de toi! Oh, qu'est-ce qui se passe? Qui va là? Est-ce donc ainsi que vous recevez vos supérieurs, Brian? Général Oron, je ne m'attendais point à votre venue, veuillez accepter mes plus humbles excuses. Nous ne sommes actuellement dans une crise sans précédent. Oui, cette crise que vous avez inutilement déclenchée. Le seigneur Coralus est mort. Qu'avez-vous fait? On n'avait encore jamais ressenti une telle crise dans tout Nevermind. Vous êtes d'une incompétence incroyable. Je devrais vous châtier sur le champ. Il est vrai que je n'ai pas toujours été à la hauteur. Mais ce Minecraftien est en train de devenir plus puissant que les cieux eux-mêmes. Et si vous ne faites rien pour nous aider, on va tous se faire décimer un par un. Smash est déjà sur le point de se faire tuer. Je ne sais même pas comment on va faire. Le conseil a délibéré. Je viens en personne vous l'adresser. Vous avez échoué, Seigneur Brian. C'est votre fin. Smash sera votre dernier espoir. Si jamais il échoue, vous irez directement à sa place pour régler ce compte à ce Minecraftien. Et nous ne voudrons plus jamais entendre parler de ces histoires. Pour ce qui est des renforts, nous sommes largement assez puissants pour l'éliminer nous-mêmes. Nous n'avons point besoin de votre petite brigaderie. Allez maintenant hors de ma vue! Et ça y est, on dispose du deuxième boss, on va le faire spawner, mon dieu, j'en peux plus. J'attendais ça depuis un petit moment. Allez, j'invoque. Oh oh, tapez! Tu m'as l'air bien agressif, tu cherches déjà la bataille? Ça me plaît. Ah, tapez! Ouais ouais, ça a l'air super cool de taper la discute avec toi et tout, tu sais dire autre chose ou... Oh oh, tapez content. Alors en garde, vile créature. Let's go. Wow wow wow. Ah oui, non, mais en fait, ça va être beaucoup plus dur que ça. Je crois qu'on va partir. Oh, mais tu vas trop vite, en vrai. Waouh, 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 waouh. Je suis passé par en dessous, moi. Je suis un taré. Non, en fait, je peux pas.
Mais t'es beaucoup trop rapide, toi. C'est bien que je sois dans l'eau, hein. J'avais prévu. Mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi rapide, le salaud. Recharge. Tire, tire. Waouh, ok, ok. Waouh, waouh, waouh. On l'a touché ou pas? Oui, je crois qu'on l'a touché. Ah, tu fais pas le malin, là, hein? Alors? Non mais, c'est pas possible, ça, hein? Ah ah ah! J'ai la puissance avec ma grosse sulfateuse! Tu la sens ou pas? Eh, n'empêche qu'il a failli me mettre en PLS tout à l'heure, hein. On va se rapprocher un peu de lui. Parce que s'il chope, s'il fait des drops là-bas... Ok, c'est bon. Donc on l'a suffisamment amoché. Viens là, voilà, je vais t'achever sur ce sable. Ah! Tu es vaincu! Brian, que faites-vous en ces lieux? N'avez-vous pas quelque chose à faire? Je viens demander grâce pour mon compagnon, Smash, tombé au combat face au Minecraftien. Pouvez-vous le ressusciter? Impossible. Et c'est votre châtiment, vos échecs, ce qui arrive est de votre faute. Mais Smash n'a rien à voir là-dedans et il était sous votre responsabilité. Son erreur est la vôtre. Nous ne vous aiderons pas. Très bien, alors considérez que ma mission ici est terminée. Non, vous ne pouvez pas. Si! Et j'aurais dû le faire depuis bien longtemps. Je ne vous appartiens plus désormais. Revenez, Brian. Ah, il suffit. On ne peut aller contre sa volonté. Laissez-le. Quand il aura franchi la porte, il sera notre ennemi. Ladies and gentlemen, bonjour à tous, c'est Derkeven et bienvenue pour un nouvel épisode de Fly for Fun saison 3. Aujourd'hui, on se retrouve pour aller tester une nouvelle dimension. Et oui, parce que j'ai découvert un petit secret il n'y a pas longtemps encore, quelque chose de très très... Ouh, t'es pas censé spawner ici, toi? Oh, doucement, je ne viens pas me battre. Je vous ai peut-être trahi par le passé, mais je suis ici pour une toute autre chose. D'accord, et qu'est-ce que c'est? J'ai besoin de vous. Mon compagnon Smash... a été tué par vous il y a quelque temps. Ah oui, celui qui gueule tout le temps tapé? Oui, c'est ça. J'ai ouï dire que vous étiez capable de recrafter sa statuette pour pouvoir l'invoquer de nouveau. Ah oui, c'est possible, en effet. Faites-le, je vous en supplie. Et si vous réussissez à l'invoquer, je me mettrai à votre service. Alors là, je vous avouerai que je suis un petit peu sceptique, hein, juste un tout petit peu. Enfin, c'est pas contre vous, hein, mais bon, vous pouvez comprendre. J'ai eu quelques déconvenus avec le conseil de Nevermind. Ils ne me tiennent guère en haute estime. Et alors qu'il est, ils envoient des troupes pour venir me détruire. Ok, alors par contre, j'ai un petit peu d'autres choses à faire en fait, devoir m'appeler ailleurs. Bah écoutez, je vous propose un truc, vous veillez sur ma base, sur mon matériel ici présent, et je réinvoque Smash dans la minute. Très bien, faisons comme ça. Je dois repartir à ma base dans une heure, rejoignez-moi à l'aéroport et je vous ramènerai la statue. Alors, juste ici, craft avec ça, impeccable. Mais je pense qu'on l'a, ça y est, il est fait. Et voilà, voici la statuette, comme promis. Merci infiniment. Vous pouvez compter sur moi, je tiendrai promesse, j'attendrai votre retour. Eh ben c'est parfait du coup, ben on se retrouve à la saison 4, hein, Nevermind, tout ça, bon, tu fais gaffe, hein. Et puis, à la prochaine.
Ah, le bureau. Haha, ça fait longtemps. Alors. Alors, où est-ce que je l'avais rangé déjà? Oh, yeah. Oh mon dieu, ça fait du bien de rentrer chez soi comme ça. Je me sens beaucoup mieux. Ah là là, quel confort quand même. Bon, où se trouve le reste de l'équipe? Bonjour messieurs, je suis très heureux de vous revoir. Alors comment se porte Canal Cube ? Hé Billy, on a plein de factures à remplir. Tiens, m'en bats les couilles de tes factures. Mais prends-les quand même. Mais je m'en bats les couilles, tout le monde s'en fout de ton boulot. Mais c'est important quand même. Messieurs ? Mais non, qu'est-ce que t'as encore avec ? Et t'as un problème ? Non, c'est toi qui as un problème, tu veux te battre, c'est ça ? Ah non, c'est moi qui ai un problème ! Et oui, c'est toi qui as un souci ! Ah, tu le prends sur ce ton-là, hein ? Mais oui ! Viens, voilà. Voilà. Tu vas comprendre la puissance de Glenn, fils de... T'es de la merde, tâche. Comment ça, c'est de la... Moi, au moins, j'ai pas acheté mon balai à Toys R Us. Alors, c'est comme ça qu'on accueille son nouveau patron. Maintenant, fermez-la. Vous vous asseyez, sinon je vous fais tous virer. Ah, ça va faire un an que vous attendez, monsieur le directeur. Ça a eu plaisir de vous revoir. Plaisir partagé. Bon retour parmi nous, monsieur. Voici les différentes factures reçues lors de votre absence. Il faudrait nous les régler dès maintenant. Ouais, on réglera ça plus tard. Ah, content de vous revoir, patron. Les choses ont bien avancé ici. Et pour le programme de cette année aussi, les choses ont bien avancé. Je suis prêt et j'espère que cette surprise vous plaira à vous, comme au public que nous avons laissé pendant quelques temps. Il est temps de remettre sur pied Canal Cube.